Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'on est live? Comme d'hab, c'est toujours la grande question. Pour l'instant, je ne crois pas. Ah, ça a l'air de partir là. Ça a l'air de être live. Dernier test. Écoutez-moi, Black Ops 2 Révolution est arrivé. Oh, des nouvelles c'est pas cartes. Trop la tristesse. Eh bien, c'est parti. Et donc, du coup, on va faire hop, clac, on rajoute la caméra, like a boss. Ok, salut à tous. Ici, c'est Funka et vous regardez Funka Délice, l'émission où bah, vous avez du Funka et vous avez du Délice. C'est pas compliqué. Et là, j'ai mon réveil qui se met à sonner, logique. Qui va continuer? Non. Ok, tout va bien. Donc voilà. Donc vous regardez Funk Analyse. Et comme la semaine dernière, eh bien nous allons faire un petit peu d'exploration sur Art of the Swarm. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par du ladder que je vais essayer de commenter le maximum. Après mes matchs de placement, donc j'ai été placé gold, si je dis pas de bêtises, j'ai pas relancé le jeu depuis. J'avais fait 4-1, je crois. Donc on va essayer de faire progresser la compte et voir un petit peu bah, comment le jeu et le metagame shift au fur et à mesure des niveaux qu'on va traverser et jusqu'à ce que ça devienne impossible, on va essayer de jouer en random, donc essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe dans toutes les races. Donc voilà le principe de l'émission d'aujourd'hui. Moi j'espère que vous allez bien et que, ben, que c'est la teuf, que vous avez la pêche, tout ça, tout ça. Et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je ne vais pas avoir, je crois... que je n'ai pas le bon broadcaster. Attendez 2 secondes. Y a un petit truc qui fonctionne pas. Hop, hop, hop. Voilà, celui-là. Je ferme ma porte et on est good. Ok, alors. Non, on n'aura pas de Wings of Liberty Today, à moins que, par exemple, pour les team games de fin, on fasse du... à moins que pour les games de fin, on fasse du Wings of Liberty, je pense pas. Hop, tac, 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 tac. Hop. Cool le concept de streamer un samedi matin. Eh bien oui, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour vous, chers viewers, qui êtes déjà réveillés pour, eh bien pour balancer du fat sur Art of Swarm un petit peu plus tôt. On m'a dit midi, alors je fais midi. Je fais midi. Alors, n'hésitez pas à me dire par exemple maintenant que là je suis sur le menu principal de HOTS, si le son n'est pas trop élevé, si la balance voix, si la balance voix et son du jeu est correct, n'hésitez pas à me le faire savoir, un peu fort, mais je l'ai baissé entre temps, donc on va voir vos réactions en direct. Là, normalement, je l'ai baissé là, là. Paf. Hop. Eh bien, de toute manière, je vérifie vite fait, ça fonctionne. Ok. Donc, on va se lancer un ladder. On est parti. Matchmaking. Ranked. Ranked. On va faire du 1v1.
Et on va faire la première game en Terran. Ensuite, on en fera une en Zerg, on en fera une en Protoss, et on en fera une, eh bien, à nous, en Terran, si on a le temps, etc. etc. De toute manière, l'émission d'après a été, eh bien, a été annulée. Et donc, du coup, je vais pouvoir choper un petit peu plus de temps d'antenne, et je vais durer peut-être jusqu'à 14h30. On va faire un truc comme ça. C'est à peu près ça le plan pour le moment. Donc voilà. Donc je sais pas si y a beaucoup de gens ici qui ont accès à la bêta de HOTS. Donc si vous l'avez, préparez-vous, patchez le jeu, etc., etc. Pour vous préparer pour les games fun qu'on va faire à la fin. Notamment du mono battle sur Art of Swarm. Ok, alors on a du ZVT. ZVT. Alors on va tester un truc que j'ai vu faire par Beastie Cutie, si je dis pas de bêtises. Et qui était plutôt pas mal. Ça, je m'y ferai jamais. On va vérifier que ça fonctionne. Tac. Hop. 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 Not enough minerals. Not enough minerals. Donc, BC Cutie, il nous faisait une sorte de timing Marine Marauder avec des mines. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. Not enough. Toujours même principe. Hein. Si vous avez un problème. Merci Todd qui a pubé pour mon émission. Ça, c'est vraiment manœuvre. Si vous avez un problème de son, de machin, de truc, il y a un truc qui fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire. Alors je sais pas pour quelle raison, j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu des spikes sur Ox. Additional supply depots required. I'm going. In the rear with the gear. Not enough minerals. Bad news. SCV ready. Donc le principe, ça va être de faire une Rax Expand, comme d'hab. Derrière, en fait, cette fameuse transition qu'on fait derrière en faisant Helion Réacteur, là, va nous permettre de faire, j'imagine, Mine Réacteur, ce qui va nous permettre de défensivement d'être plutôt OK. Et ensuite, quand viendra le moment d'attaquer son adversaire, ça permet de contrôler l'espace et d'empêcher les contre-attaques, ce qui fonctionne plutôt bien contre Zerg. On va tenter un truc comme ça, je dis pas que ça va fonctionner exactement comme je l'entends. Mais on va tenter un truc dans ce goût-là. Yeah, je l'avais joué en proto sans PVZ cette map, la dernière la semaine dernière. Alors, ok, ils ont transformé. Ok, apparemment ça fonctionne bien, donc tout va bien. Upgrade complete. Ok, on peut trop finir. Donc vous faites votre CC. Bon là j'ai choisi de le faire sur le low ground. Si vous êtes vraiment en mode flippé, vous pouvez le faire sur la high ground. Là je l'ai fait directement sur le slot. Derrière on va prendre double gaz pour pouvoir taker. Ça lag pas en 720+. Ok. Alors, la raison pour laquelle le stream est pas aussi fluide que vous l'avez chez un Todd ou que vous l'avez sur un stream au Gaming TV qui est enregistré depuis la caverne, c'est que j'ai simplement pas la même configuration au niveau connexion internet. Hein. Moi j'ai la même connexion internet que monsieur tout le monde en France, c'est-à-dire avec un upload pas ouf, ce qui limite vachement. En vrai, les possibilités. Je m'en excuse. J'en attends qu'une chose, c'est de pouvoir avoir la fibre optique et de vous envoyer des petits trucs aux petits oignons là, mais pour l'instant, je peux pas. Ok, bon. Écoutez, j'ai pas vu grand chose de ce qu'il nous préparait, le garçon. Donc, vous rajoutez des racks, parce que vous partez quand même sur un timing avec du bio.
Appel. Et vous rajoutez aussi cette fameuse facto qui va vous permettre de... Not enough minerals. Not enough minerals. Qui va vous permettre de produire les fameuses mines. Not enough minerals. Qu'on a envie de tester en fait, de voir en action contre quelque chose d'assez... Bah contre une propos, enfin comment dire, quand même, par rapport à une évolution standard Zerg, voir si elles ont leur place dans un push en fait. Parce que la particularité des mines pour l'instant, c'est qu'effectivement ça paraît à peu près évident qu'elles sont très utiles de manière défensive. Moi ce que j'ai envie de voir, c'est dans quelle mesure on peut les ajouter dans un push pour pour rajouter du dégât en fait. L'option offensive en fait de la mine. Donc, j'ai toujours rien vu de ce que fait la mine. Additional supply depots required. Ce qui dérange un petit peu quand même de pas savoir trop ce qu'il fait. Our SCVs are under attack. Yo. SCV ready. Coming through. SCV ready. Add-on complete. This better be good. Okay, donc pour l'instant, not enough minerals. On ne voit rien, ce qui n'arrange pas mes affaires. Le joueur qui joue complètement dans le gaz. Et je n'ai pas, voilà, pas la même facilité que Marine King à faire mes builds sans réfléchir à ce que fait mon adversaire. Donc là, je suis pas not très content. Minerals. Not enough minerals. Go ahead. Not enough minerals. Not enough minerals. Additional not supply enough depots minerals required. Additional supply depots required. Ready for dust off. SCV ready. Talk them. Not enough minerals. You want a piece of me, boy? Not enough minerals. Not enough minerals. Our SCVs are under attack. Laisse-moi voir si t'as une B3. Petit BTR. Not enough minerals. Not enough additional supply depots. Pas de B3. Not enough minerals. Not enough minerals. Research. Not enough minerals. Ready for dust off. Not enough minerals. Donc le principe, ça va être de push. Dans pas longtemps là. Not le steam est fini. Je commence à avoir une bonne un bon nombre de mines. Je vais en laisser deux ici là, plus pour les contre-attaques. J'ai le shield qui est en train d'être balancé en ce moment même. Plus un également. Parce que quand c'est ces medivac qui part tout seul là. Puis on va les mettre pression. Additional supply depots required. We hear you. Additional supply depots required. Ready for dust off. What? You gonna give me orders and wait on you? Donc ça peut aussi servir à backer sur des positions défensives. D'ailleurs mes mines, je vais essayer de les mettre là, vas-y, hop. Hop, on les enterre. Et on voit ce que ça donne. Ouais, là ça a tapé sur le ligne qui était proche de mon armée. Ça, je vais aller l'enterrer. Là-bas, et là je sais qu'il y a fait le cul par des roaches. Ok, c'est un peu décevant parce que c'est pas très fort les roaches, pourtant. Donc on va transitionner. What's up?
Voilà. Allez, tire. Tire, petite Widowmine. Allez. Non, ça va. Fais du pire. Now what? Ready. Go ahead. Your forces are under attack. Il a de la détec. Donc je sais pas si ça a un intérêt vraiment de continuer la production de mine. Pour moi non. Donc je transitionnerai volontiers vers tank. D'autant qu'il y a pas mal de roches en face. Je garderai toujours quelques mines dispo pour éventuellement les contre-attaques. Et on t'entend pas beaucoup, d'accord. Ok, donc je vais augmenter ça et je vais baisser un peu le son du jeu. Ouais. Donc effectivement, là c'est le moment où je pense que honnêtement il y a moins d'intérêt à continuer la production de mines. C'est plus intéressant de transitionner vers quelque chose d'autre, d'utiliser ta facto pour autre chose, en l'occurrence des tanks je pense, qui serait le mieux. Voilà, beaucoup. Heading out. Mineral field depleted. Better be good. Light up. Ready for pickup? Where's the emergency? Armed and ready. Donc là, on va aller push tout droit. On va pas se faire chier. On va faire un petit drop et on va reprendre position sur la map avec le reste. Now what? Upgrade complete. Waiting on you. Now. By the numbers. On va prendre B3 pendant ce moment-là. Ah, du coup, il va me contrer. J'avoue, pour t'échapper d'une base, la vitesse des medivacs, c'est quand même un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf, cette vitesse des medivacs. Ça rigole, zéro. Bon, on va pouvoir y retourner. On garde, hop, les mines, on va les replacer. Voilà, on abuse des mines. Et on abuse des mules. Au cas où. Ah, les Hydrak, le 2-2. Putain, les Hydrak, le 2-2, ça défonce, hein. Ça fait mal, putain. Maraudeur Marine Medivac avec le 2-1 plus tank derrière. Rien à foutre, quoi. Marrant, ça. Chichi. Chichi, yo. Salut à tous!
Ouais, alors il y a quelqu'un qui dit oui, c'est clairement efficace de manière offensive les mines. Oui, mais je parle en dehors d'un drop, tu vois, dans un push placé, si tu veux. C'est ça qui m'intéressait de voir. En l'occurrence, la map, je trouve que s'y prêtait pas vraiment au niveau des placements. Mais ouais, c'était ça. Parce que j'ai fait 5 games sur Heart of the Swarm, Kirby. Je viens de commencer cet account là. Enfin, je viens de commencer mon account, mon seul account. Donc, chose à savoir, c'est que le Rotidra 2-2, ça pète pas mal de Marine Marauder Medivac avec du support de tank quand même, hein, mine de rien. Ok, on m'a dit Fedel bat. Ok, je m'en rappellerai. Effectivement, les mines attaquent seulement quand elles sont enterrées. Non, ça ne peut pas faire comme les bannings, ça ne tire que quand ça s'enterre. Eh bien, chaque fois que je lance Zerg, je tombe en ZVP. Alors, est-ce que ça a changé le ZVP depuis Heart of the Swarm? Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant de comment ça se passe le ZVP? Genre, par exemple, est-ce que c'est cool de faire des Swarmhosts? Est-ce que c'est cool de à nouveau faire des Hydras? Ou est-ce qu'on continue de jouer Infestor? Vous qui savez, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je ne suis pas encore au courant. Swarmhost Hydra. Très bien. Je vais essayer de faire ça. Hein. Je sais pas ce que ça vaut. C'est bien, je gagne 100 XP quand je fais un Overlord. C'est quand même super swaggy. Super méga Kiku swag. Du coup, en fin de game, t'en win beaucoup de l'XP, quoi. Très très sûr, l'Infestor. Ok. Donc, on va faire un développement standard, encore une fois. Full 15 H15. En ce moment, on va checker ce que font les overs, ce qu'ils voient. Pour avoir une idée de la position de mon adversaire. Donc, Swarmhost Hydra. Pourquoi pas Swarmhost Hydra? Ça fait quand même beaucoup d'unités de range. L'un peut supporter l'autre, donc ça c'est pas trop mal. On a du ground, on a du sol. Ouais. Ah, il est là le Protoss. Ok. Ouh, la probe est dans la place. Va-t-il me canon rush? Bon, pour l'instant, il va falloir de bouger. Il a Nexus first. Normal. Alors, ici, plutôt là, l'expand plutôt que là, parce que fait chier d'être proche de son adversaire. Alors, c'est un petit peu plus loin, mais je suis un peu moins proche de mon adversaire. J'ai la Xel pour couvrir. Bon, je vais plutôt prendre celle-là. Pour prendre ma B3. Donc, comme je sais tôt où est mon adversaire aussi, je vais essayer de placer mes overs de manière à bien voir tout ce qu'il faut. Bon, on va gratter des HP sur cette probe, hein. On va faire même plus qu'en gratter, en fait. On va gratter des HP tout court. On va gratter les probes en entier, en fait. Non, non, non. Hop là. Une fois que vous avez des glings dans la base de votre adversaire, essayez de micro au maximum pour les laisser le plus longtemps possible. Même si vous grattez pas, vous foutez un coup, hop, le mec il pull ses probes,
il overreact comme un ouf. Et vous, ça vous met dans une bonne solution, dans une bonne situation, pardon. Genre, hop, je suis là. Et non, je me casse. Voilà, même le premier. Tant qu'il n'y a pas de stalker, en fait, c'est bon. Hein. Bon, là, j'ai quand même un gling qui est follement dans le rouge. Donc, on va essayer de pas faire de conneries. Hop là. Alors, hop, hop, bim. On va poser le Roach Warren. Et on va commencer à miner du gaz. Alors, j'ai pas remis... ça fait chier, par contre, j'ai pas remis mes contrôles... pour changer de hatch. Sur Art of the Swarm. Ce qui m'emmerde profondément. Parce que c'est quand même bien pratique pour les injects. On va faire une Evo en simultané aussi, ce que les ergs font généralement. Petite Evo. Oula! Et là, le mec, quand même, globalement, il peut pas mettre trop la tech qu'il veut en avant, quoi, parce que tant qu'il avait pas cette petite sentry, eh bien, je voyais tout. Bon, j'ai encore un over qui est prêt à jeter un œil là-dedans. Voilà. Alors, bataille Hydra. Et Swarmos, c'est bataille Infestor, non, c'est ça, hein. Alors, Swarmos. Donc, VH, VI, hop. Donc avec le plus 1 d'attaque, j'imagine, hein. Très tranquillement. Voilà. Il y a... Ok. Une petite... robot. Je vais peut-être prendre un quatrième gaz si je fais Swarm Ostidra quand même. Et on va rester sur 3 hatch parce que je pense pas que je puisse supporter plus que ça. Donc on va faire 4 Swarm Ost là, puisqu'on peut. On va faire même 6. On va prendre un cinquième gaz ici. L'armée elle va sortir là. On injecte. Donc ce qui serait dommage, c'est le problème, ce serait de tomber sur un mec qui a fait juste face Colossus. Ce serait un peu la déception, j'avoue. Je suis trop pas habitué à produire des hydras en tos. Ça coûte cher en gaz, hein, ces conneries. Bon, on va prendre les 6, hein. Oh la vache, il y a beaucoup. Tout ça parce que j'ai pas de gaz, c'est pas la tristesse ça. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir de gaz quoi. Alors que j'ai une chier de minerai quoi, un truc de ouf. Ah
coup je vais reprendre Angling sans le speed, ce qui est un petit peu décevant. Voilà, défaite quoi. Ah c'est pas beau quoi. C'est pas beau quoi. C'est pas beau. Bon non, j'ai pas perdu à cause d'un rally pile quoi. J'ai perdu à cause du fait que ça coûte trop cher en gaz et que du coup c'est pas viable sur B3. Machin là, Locust Hydra. Bon en tout cas fallait prendre les 6 gaz tout de suite. Chose que j'avais pas imaginé. C'est pas la rally point et les 4 Zerglings que j'ai perdu qui m'ont fait perdre la game. Du coup j'ai relancé en Zerg, quel con. Je voulais pas. C'est cool, il a quitté. Alors, Protossu. Petite pause pub. Donc si, je joue pas mal avec de la musique, mais là, disons que je me suis dit c'est mieux peut-être de vous le faire sans musique, étant donné que je parle beaucoup, quoi, que ce soit un peu plus clair. Alors, je m'excuse d'avance pour mon niveau de jeu en proto, ce qui est assez ridicule, hein. Je vous le dis tout de suite, mon niveau est assez ridicule. Mais on va essayer de pas faire trop pitié quoi. Genre par exemple le wall, je sais plus exactement comment il se fait sur cette base là. Toujours hein, s'il y a un problème de lag trop récurrent, de problème de son, de machin, vous me le dites hein. Tant que j'aurai pas des réglages perfect. Ou toi. Toi tu m'as early pool toi. Non même pas. Et m'aurait-il brain avec un drone? Comme je ne comprends pas trop ce qu'il fait, on va plutôt mettre une forge. Alors que je pense que là il y a carrément moyen de s'en sortir avec le Nexus First, hein, mais j'ai un peu peur, je te l'avoue. Oh merde, j'aurais dû le cancel, putain. Ah, le début de game catastrophique, tu sais. Ça va le saouler au moins, c'est cool. Ok,
Okay, le premier gling qui sort. Donc on va poser un canon. Alors, je pose ma gate comme ça, là, il n'y a plus qu'un. Voilà. Oui, non, mais je vais pas faire un 4 gate. Quelqu'un qui me dit, ouais, 4 gate, c'est bien, c'est MBO standard. Oui, mais non, quand même pas. On est là pour tester les nouveaux trucs, tu vois. Allez, viens. Alors. Ah, j'ai pas la range pour mettre le cybercorps. Hein. Déconne. Pourquoi je peux pas? Je comprends pas pourquoi j'ai pas pu poser mon cyber ici alors que j'avais follement. Ouais, vous voyez, le cercle il est bon, mais il apparaissait pas en haut. Genre maintenant tu peux plus quoi. Ouh, that lag. That lag. Pylon nerf. Bah apparemment, ouais, c'est pas ça qui se passe, ouais. Alors, le Mothership Core, j'ai du mal à comprendre. Ah, il attaque plus en l'air. Non, il attaque pas en l'air. C'est décevant. Voilà, il y a de la spine. 3 spines, vraiment? Un peu décevant, ça. C'est parce qu'il avait mes... Il avait mes 4 gates offensives, le petit salipio. Il a l'air de vraiment flipper lui hein. Oh là là quoi. Donc qu'est-ce que fait ce truc? J'aimerais bien comprendre ce que fait tout ce truc. Alors photon overcharge, c'est le truc pour que le Nexus il commence à casser des gueules, si j'ai bien compris. Ça je veux bien. Mais le truc là. Le time machin, je sais pas encore comment ça fonctionne. Hop, pardon, c'est plus 2. Prendre des 3.
On va pomper le maçon. Ok. Bon. Il va y avoir une masse muta qui va m'arriver dans la gueule, je vais pas comprendre. Non! Perdu mon Mothership Core. On va en faire un du coup. Ça va chier. C'est pas un très bon scout en fait le Mothership Core. Et moi je suis vraiment pas un très bon joueur Protoss. Incroyable. Et je sais absolument pas ce qui m'arrive là, c'est ça qui m'embête. Je vais m'occuper de ça quand même. Là, s'il fait des mutas, je suis un peu déçu, quoi. Mais j'ai pas vu sa Spire, en même temps, ça voudrait dire que ça pourrait être bien ça, quoi. On va faire un pylône à côté, quand même. Ah non, Mass Warmost. Ok. Donc qu'est-ce qui peut m'aider? Time Warp dans les combats? On va dire que c'est ça qui va m'aider dans les combats. Alors là le truc, ah ouais, c'est que tu peux abuser du positionnement des mecs en fait avec les Swarmost. Là je vais être déçu. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. D'accord. Ok. Ok, Swarmost a fait mal. Ok, j'ai des run-by de Gling partout. Tout va bien. Holy shit. Et j'ai pas de thunes. Donc tout va bien. Donc tu ne peux pas engager des Swarmost de fond. On va tester ça. Non, c'était pas ça que je voulais faire. F. Ok. C'était F que je voulais faire. Comment ça fait mal les Swarmost, holy shit. Ah voilà, ça y est mon Nexus il tape. Donc il faut des Colossus pour attaquer des Swarmost, hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour appliquer cette théorie. Voilà, je vais perdre mon Nexus, mais tout va bien, car j'ai des Colossus qui arrivent. Là, je suis assez incroyablement mauvais en proto, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça push sévère, hein, les Locustes, hein. Putain. Genre basique quoi. Donc faut absolument des Colossus contre ça. Parce que tu peux, enfin à moins de le pouvoir vraiment de manière propre leur sauter sur la tronche, tu vas te faire éclater en fait. Ce n'était pas mon cas. Voilà.
Bon, allez. Donc encore une fois, des unités gratuites Zerg qui font mal, hein. Putain, les locusts. Déconne pas, hein. Du coup, j'ai aucun intérêt à essayer d'attaquer le truc, hein. Donc on va temporiser à chaque fois, hein. J'ai la foi encore. Sauf si je perds des Colossus gratos. C'est ouf. Le mec, il m'attaque d'une zone qui est à 6 km, quoi. Ça attaque vite en plus, l'animation d'attaque elle est super courte, quoi. J'ai le 3 d'attaque, shit, quoi. Si vous voulez bien crever, ce serait pas mal. Il est où mon ops? Insane le truc, quoi. Insane les locustes. Truc de ouf. Putain, mais c'est ouf. Je comprends pas pourquoi ça fait ça, quoi. C'est pas que je suis à fond, je suis désolé. C'est pas que je suis à fond, les gars, c'est juste que j'ai pas de double écran, quoi. Donc je vois pas le chat quand je joue, les amis. Donc vous n'avez pas vu cette magnifique game où je me suis fait éclater à coup de locuste. Donc le mec était sur ma B3 et demi et genre devant ma B3 et en fait il m'attaquait ma B2 grâce à des locustes, quoi. C'est quand même un peu space. Je trouve ça un petit peu bizarre. Cette unité. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va repartir à Terran et puis on va voir ce qui peut être gérable, parce que là apparemment les mecs, je peux pas les battre, quoi. Ouais, stream radio Art of the Swarm, quoi. Non, bah je le vis un peu mal d'avoir perdu contre un mec qui fait des swarmhosts et qui m'a pas attaqué de front pendant 6 minutes, quoi. Donc non, je crois pas, quoi. Ouais, on verra après, hein, peut-être si je me suis si j'ai réussi à laver l'affront, quoi. Absolument que je change mes putains de raccourcis explic, quoi, ça me le fait à chaque fois, je sais pas pourquoi, quoi, le truc, le changement de scène d'un coup là. Bah en même temps, je l'avais call au début, hein, c'est une game Terran, une game Zerg, une game Protoss. Je suis arrivé au bout du truc, je refais une game Terran. Not enough minerals.
Bon, ce qui me fait dire, c'est qu'à la game d'avant en ZVP, au lieu d'essayer d'incorporer des Hydra et de faire l'upgrade Range Hydra, dans un premier temps, pour défendre, il aurait fallu seulement que je fasse 10 Swarmost avec l'upgrade des Locusts, là. Et c'était good, quoi. Mais je sous-estime encore certaines unités de HOTS. I think... Alors oui, les Reapers sont jouables sur HOTS. Moi j'ai l'impression que ça va être encore un truc, le Reaper ça va être encore une unité sympa de TVT. Je suis pas convaincu pour contre les autres races, peut-être contre Protoss. I do know. En tout cas ouais, Swarmoth ça a l'air vraiment cool pour siéger quoi, c'est un truc de ouf hein. La distance à laquelle ça tire dessus, quoi. Donc on va essayer les Battle Lions là, apparemment tout le monde est là en train de dire putain Battle Lions c'est trop fort. On va tester Battle Lions du coup. En fight frontal, voir ce que ça donne quoi. Du coup ça doit être pourri contre Rotidra par contre Battle Lions. Sur le principe ça devrait en tout cas. Alors la raison pour laquelle je prends une troisième base, c'est parce que Battle Lions, si je dis pas de bêtises, ça se build sur Armory. Avec une armurerie. Et je pense que ouais bah il y a besoin de beaucoup d'écho pour pouvoir les sortir, donc je préfère les temporiser un petit peu. On va refaire une progression standard comme tout à l'heure. Parce qu'on va y rajouter un bunker là, on va faire des mines un petit peu défensives au début. Non, bah du coup des Hélions. Ouais, on va faire des Hélions. On va faire un développement 3CC standard avec Hélions. Ouais, apparemment, oui. Les Hellbats, c'est espèce de moto qui se transforme en marcheur. C'est à peu près ça. Ready to raise somehow. Oula. Ah, c'est un banning bust en fait. Putain, ça lag à balle, c'est un truc de ouf, les spikes qu'il y a quoi. Et est-ce que c'est toujours comme ça, laggy, la bêta d'Hots, les mecs qui jouent là? Parce que
que moi je trouve ça incroyablement laggy. Hein. C'est pas assez. Mon problème pour le stream, c'est plus l'upload, c'est pas le download, quoi. Donc je comprends pas la raison en plus. C'est ça qui me fait chier un peu. Et pour moi, c'est pas très logique que ça lag. Donc après ce banning, cette banning pression foirée, on va voir ce qu'il fait. Et je vais pouvoir faire du Battle des Lions en plus, puisque j'ai l'armory qui va se terminer. Alors, contre des roaches. Ok, pas ouf. Mieux que des élions normaux quand même. Mais c'est ouf, vous devez le voir le lag, hein. C'est incroyable. Je peux vous assurer que c'est pas le stream que vous regardez hein, qui fait ça, hein. C'est Starcraft 2 quoi. Additional supply depots required. Ready for dust-off. Research complete. Add-on complete. Watch your step. On va tenter un drop Battle des Lions parce qu'apparemment c'est swaggy. Donc on va faire le drop Battle des Lions avec ce jeu qui lag un truc de ouf. C'est vraiment chiant. Franchement, c'est pas agréable quoi. Le jeu il lag tellement fort. Donc ça c'est quand même stylé parce que du coup tu le mets en mode Battle des Lions, il se fait heal. Et après si tu veux tu le remets en... Tu le remets en élion normal et il est full HP. c'est bon trip ça. C'est un peu space mais c'est bon trip. Alors. Comment ça se passe tout ça? Ok. Ah ouais j'avoue. Ça a l'air d'être un bon petit casseur de ligne de minerai, ce truc là. Et on va y retourner. Ah ouais, c'est stylé, ça fonctionne bien quand même. Et qu'est-ce que c'est que ces airs qui font 15 000 spines là? Je comprends pas quoi. Non, les mecs ils ont 30 spines sur chaque expand quoi. Pas normal ça. Ou alors j'ai oublié un truc mais... Ah j'ai oublié de chercher le drill aussi tout à l'heure pour les mines. Un truc qui permet qu'elles se foutent au sol plus rapidement. Je vais zapper ça. Don't leave me hanging. Additional supply depots required. Oh,
Somebody, get me out of this mess. Booyah! Faut que je comprenne la raison du truc, je sais pas, comme si j'étais pas sur le bon serveur, j'ai l'impression de jouer sur Corée ou sur limite, enfin, non, on peut pas aller par là quoi. Bon merci. S'il se passe par là, oh il y a du banning là. Hein. On va mettre les battles et lions devant. En mode wall. Ah merde. Allez, on split. On split. Ok. Je ne comprends pas pourquoi le jeu lag comme ça, quoi. GG yo. La bêta est entièrement sur le serveur US, c'est ça que vous voulez dire? Ah, d'accord, donc Hot lag tout le temps. Ouais, moi je trouve que ça lag vraiment beaucoup, c'est pas agréable à jouer quoi. C'est vraiment pas agréable à jouer. Je fais une petite pause de 2 minutes, le temps d'aller boire un coup. Je vous mets des pubs pendant ce temps-là, excusez-moi. Ok, nous y revoilà. On va se remettre la cam. Ok. Allure. Bon, puisque les gens étaient déçus que la game proto se passe comme ça, on va refaire une game. Ah, je vais peut-être relancer le jeu. Je vais relancer le jeu. C'est normal si vous ne voyez qu'un écran noir pour le moment. C'est normal. Normal, maintenant vous revoyez ma tête en grand. Donc là, il me dit qu'il y a une mise à jour. Très bien. Je ne comprends plus rien. Ah, ça y est, j'ai réussi à relancer le jeu quand même. C'est cool.
Allure. On va relancer une game en Protoss. Alors, ce que ça donne. Ils sont peut-être en train de patcher les serveurs. Je sais pas s'il y a des gens qui ont le même problème que moi. Là, je sais pas, mais c'est vraiment, vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment, vraiment bizarre. Ouais, et Peacemaker, go me sniper, mec. Hein. Si tu veux me battre, c'est maintenant. Hein, je suis Protoss. Alors, est-ce qu'on peut encore gagner des cléotes sur OGaming? C'est une bonne question, je ne suis pas certain. PVZ sur la même map, et c'est quoi ça? C'est un... C'est platine ça? Master? Diamant? C'est quoi? Je sais pas quelle est la couleur de cette icône. Alors, hop, 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 hop. Ça a l'air d'aller mieux là. Ça lag moins. Je crois. Je crois en tout cas que ça lag moins. Le mec m'a fait un smiley. Est-ce que c'est un viewer? Alors, bon, on n'a pas problème de screen. Alors, on va tenter un truc. Est-ce que c'est vrai que j'avais testé ça la dernière fois et là j'y ai pas pensé tout à l'heure. J'ai joué un peu plus standard. En dépit du fait que bon, j'ai fait un Mothership Core, mais apparemment c'est le truc obligatoire à faire. Je vais jouer Stargate. J'avais bien kiffé le truc vert là qui explose les lignes de minerai, un truc de ouf là. Bon, ce coup-ci, on va Nexus first. Nana, nanana. Pas de hatch, nana. Ah merde, j'ai raté. Déçu. Faudrait que j'apprenne le nom des nouvelles unités aussi. Je les ai pas du tout encore dans la tête. Le truc toast de la Stargate là qui a l'air de faire bien mal. Ouh, il rush avec ses glings. Petit enfluré. Alors, bam, on va prendre les gaz. J'imagine que c'est maintenant qu'on est censé prendre les gaz. Hop. Perfect wall. Ça fait chier par contre. Non! Non! Ah, il rentre pas, il est cool. Hop. Mon rôle est vraiment à chier à chaque fois sur cette map. Je sais jamais comment on le fait. Toujours pas de problème. Là, je vous le dis clairement, je fais des alt-tab pour comprendre, enfin pour savoir si je n'ai pas de problème d'overlay approximativement toutes les 2 secondes. Après, quand la game va s'exciter, ce sera différent, mais pour l'instant, j'essaye au maximum de checker toutes les 2 secondes si on n'a pas un petit problème d'overlay. Genre, que ça passe en mode full black, quoi, ce sera un peu décevant. Mais normalement, à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir remettre mon double screen, donc... Logiquement, ce genre de choses, je les verrai arriver bien en amont.
bien en amont. On va aller checker si la B3. Ok, son blink est là. Il va le faire crever sur un petit truc. Voilà. Hop, on va envoyer le cyber. Ok, on a la B3. Le mec joue standard. Je sais pas dans quelle ligue il est, c'était un truc un peu argenté, donc diamant ou platine ou... I don't know. On va faire double Stargate. On va prendre double gaz. C'est relou aussi qu'en bas à droite ils affichent plus, bon vous le voyez pas parce qu'il y a mon overlay avec mes infos Facebook et Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre hein, sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir quand il y a des émissions, quand je caste, etc. etc. C'est sur ça qu'il faut aller voir. Donc facebook.com/funkasc2, twitter.com/funkastarcraft. Voilà, on va cut les probes maintenant. Et on va faire des oracles, voilà c'est ça. Parce que Oracle, ça a l'air méga cool. Faire une sentry pour être safe. On va rajouter un petit canon. Et puis on va commencer à rajouter des gates aussi. On va rajouter 5 pour monter un total de 6. Et le reste, on va investir dans de l'Oracle. Ah, c'est marrant, ça c'est une nana l'oracle. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça prend 3 de pop et que j'ai pas. Il me manque 1 de pop pour faire mon truc pépère. Hop. Ça, on va le laisser. Ah, non, t'as pas à faire ça. Mon wall est vraiment pourri. Hein. Faut que je fasse un truc pour mes wall protos. Je sais absolument pas les faire. Toujours pas de problème d'overlay. C'est parfait. Et on va y aller quand on en aura 4. J'imagine que c'est un bon nombre. Hop. Nana dans l'oracle. C'est rare des protos féminins. Donc je passe en C pour faire du dégât, c'est ça. Ok, ça va me contrer. Donc on va défendre avec les oracles. Oh la vache, il y a beaucoup quoi. Your foes are under attack. I am the voice of the old man.
Donc ça défonce pas mal les roaches hein, cette connerie, mais par contre, ouais. Toujours en danger face à un gros mass roach des familles. Hein. Et je me remets à la guerre. Est-ce que je ferai pas des oracles encore? Parce que là il me fait quoi? Il fait 5 hatch comme un bourrin quoi. Je vais perdre le Nexus. Et j'ai plus de mana sur mes oracles, je vais me faire casser la gueule. Non. Je suis vraiment de naze en Protoss, putain. Alors, j'aurais pu défendre si j'avais tué tous les drones et après back. Ouais, je suis pas convaincu, les gars. Hein. Le mec, il a mass roach comme un bourrin, quoi. Il me faut de la défense, hein. Si je les laisse là-bas, c'est cool, il a pas d'écho, mais moi j'ai perdu la game, donc je suis pas convaincu. Par contre, j'aurais pu les split et en envoyer dans toutes les bases, ouais. Non mais mec, lance quoi. Pose pas de questions, Peacemaker. Là. Non, je n'ai pas de fond vert. Hein. Non, non, c'est une vraie déco qu'on peut toucher. Hein. Une vraie, vraie de vraie. Non, si j'avais eu un fond vert, j'aurais mis des pandas, des trucs comme ça, mais... Non, non, c'est du mano à mano. Un PVP! J'avoue, j'aurais pu avoir aussi un putain de... J'ai complètement oublié de faire le... Comment ça s'appelle? Le Mothership Core, qui m'aurait bien aidé, en fait. Le Mothership Core, peut-être qu'il tire des canons là, du Nexus, peut-être que je l'aurais tenu. Je m'en rends pas compte, hein. Non seulement je joue pas du tout Protoss, mais alors ZVP c'est aussi le match-up que je sais moins bien jouer, quelle que soit la race. Et en plus, bah c'est tout quoi. Donc j'ai pas dans la tête du tout les possibilités, et en plus c'est sur Heart of the Swarm, ça je voulais dire, et donc du coup je connais pas du tout les units, les nouveaux trucs, les nouvelles possibilités. Donc c'est genre un peu perdu quoi. Ladder en proto ça me pique le crâne quoi. Parce que je bite vraiment rien à ce que je suis censé faire quoi. Yo yo yo. Bon ça se joue comment le PVP, je sais même pas. Tous les match-up Protoss, de toute façon, je les connais pas quoi. Ça
c'est la race que j'ai juste jamais joué en fait. Que ce soit sur Wing of Liberty ou sur Brood ou sur Hots. Jamais joué Protoss. Qu'est-ce qui change? Ah, je vais faire. Ah, si, je vais faire un 3 Gate Blink Stalker avec un Mothership Core pour voir au-dessus et je vais lui rentrer dans le lard. Ouais, on va faire ça. Ça va être cool. Je crois que c'était Todd qui en parlait. Enfin, je crois qu'il en parlait contre autre chose, mais bon, c'est pas grave. D'accord, j'ai oublié le deuxième pylône, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc le mec il est là en plus, il est en haut à gauche. Ah non, il était en bas en fait. Alors, hop. J'ai pas besoin de le faire maintenant. Ok. Oui, apparemment, le problème de trop gens sur O-Gaming a été réglé. Hein. Je peux vous assurer que quand on a appris ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à travailler d'arrache-pied sur ce truc-là pour pouvoir le fixer ASAP, parce que c'était quand même un peu la loose. Donc ouais, vous inquiétez pas. Normalement, c'est réglé. Voilà, on va mettre un troisième worker là pour être plus trop. Combien de chicards, ça coûte 100. Ça sort super vite un Mothership Core. C'est ouf. Donc ce qui m'intéresse là-dedans, c'est Time Warp, ok. Ok, super. Une efficacité incroyable. It shall be
the void. I am here in the shadows. Europe, we are one with the shadows. Intriguing. I serve. Allez là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Je te fais un time warp sur tes probes, c'est quoi le problème? Yes, je suis level 3, Protoss. Ah non, t'as des points d'expérience différents selon la race que tu joues. Et ouais, enfin je pense. Sinon ça aurait pas de sens. C'est effectivement une haine refoulée de votre race. C'est à peu près ça, ouais. Ah là 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 là. Là 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 là. Eh bien, je vais faire une partie en Zerg. C'est parti pour le party en Zerg. Et je relance en Protoss comme un derp. Hop. Bon. Vous avez kiffé cette Blink Micro? Pause pub entre la game. Ok, on va jouer un ZVP sur notre fameuse Daybreak. C'est cool d'ailleurs qu'ils aient fini par remettre quand même les maps du ladder auxquelles on est habitué, en plus des maps Art of the Swarm s'ils veulent, mais au début c'était quand même vraiment pourri quoi, il n'y avait que des nouvelles maps. Tu te dis t'as envie de tester des unités mais dans des compos et dans des maps que t'appréhendes déjà, et ils te posent que des nouvelles maps imbitables. C'était assez décevant. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur celui-là? On va lui faire des Swarmhosts? Est-ce qu'on lui fait des Swarmhosts? On va lui faire des Swarmhosts. Enfin c'était bien parce que j'avais pris B3 mais contre un timing push comme ça, je sais pas. On va voir. On va se décider. Ou alors on fait des mutas. Non, je vais faire des mutas, je vais tester les nouveaux mutas, je les ai pas testés encore. On va faire des mutas. Les mutas. Les mutas. Oh oui, les mutas. Sorry pour le full screen. Full screen. Non, en fait, c'est ma scène 2, le full screen. Et ouais, mec. Oh oui, les mutas. Les mutas. Parce qu'apparemment, ils envoient du bois. Oula. Ouh, j'aime pas du tout ça. Ouh, toi, à quel point tu m'as canon rush, là.
Ah non, j'étais en panique pour rien. Genre mes sortes de méga panique quoi. C'est-à-dire que l'angle dans lequel il est arrivé, c'est ce que je lui explique. Ouais, je suis assez bon chanteur, j'avoue. Oh yeah, oh yeah. Un petit canon. On va rajouter des overlords. Et on va éviter de perdre un over sur un canon, hein, vu que c'est statique quand même. Ce serait quand même débile de perdre un truc sur quelque chose de statique, alors que moi j'ai une unité qui bouge. Hein? N'est-il pas? Bim! Hop, cryptumeur, on envoie la B3, bim, bim. On arrête de supply block, s'il vous plaît. On va balancer du drone, si. Cybernetic score. En production, bim, bim, balance du drone, la queen qui arrive avec le timing parfait, si, le creep on va l'extendre vite, j'aime bien la nouvelle animation d'upgrade du creep là, c'est vraiment stylé ça, ah ça y est, il n'y a plus de rally point sur la main, Nanterre, c'est pas bien. Non, mais glisse. Oula. Non, mais va pas te taper. Il est con ce gling. Con comme ses pieds, putain. Donc, on va prendre beaucoup de gaz, beaucoup très vite. Hop, hop, on va refaire. Hop, je sais pas si. Alors un truc qui est, sur lequel j'ai vachement de mal à garder. Garder en tête en fait c'est mes overs en zerg parce que bah ils s'affichent pas quoi, ça c'est un peu décevant. Hop, on va faire un petit inject, hop y'a deux lignes, ça se hop là, tu vois tu vas faire un extracteur, hop là, non 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 non, il va me tuer un drone qui m'étire. Hop c'est bon, donc là on est connecté niveau creep, ça c'est cool. On va balancer bim, une cryptumeur, on va foutre tout le monde au taf ici, tout le monde au taf là. Non, par contre ça c'est pourri. Voilà, hop. On va reprendre l'Excel. Je sais absolument pas ce qui arrive. Ok, il y a une prop qui arrive, ça me push, je pense. À mon avis, bon. Our
Je crois qu'il a pas vu la Spire, ça ça m'arrange. Il va me péter ma poule gratuit, ça ça m'emmerde. Allez. Oh, ça va vite un muta, putain. Micromuta avec du lag, c'est vraiment pas cool. Mais bon, on va essayer. Bim. Bim. Putain, la vache, comme il découpe. Allez, régène. Là, j'espère juste qu'il a pas B3, parce que sinon, s'il a B3, je suis un peu mal. Sinon, je pense que je suis encore dedans.
Mais voilà, joué sérieux, et il est en train de prendre B3, of course. Holy shit les Phoenix quoi. Speedwatch. Hop, hop. Ok. Donc il a B3 et ça, ça ne m'arrange pas. Donc là j'essaie de gagner du temps avec les mutas que j'ai sortis en rab. Hein. Aussi simple que ça. On va poser de bataille une fesse parce qu'il va falloir transitionner à un moment donné quand même. Ah la vache. Donc on va faire quelques spines, on va commencer à camper en fait en mode normal quoi. Et là il y a quoi, il y a beaucoup de Colossus qui va arriver, ça serait ballot. Bon, il n'y a que le 1-1. On va pas rater ces injects. Quand vous voyez une fight arriver, oubliez pas, injectez comme des porcs. Hop, là on va envoyer quelques hydra quand même. Parce que c'est surtout sur ça qu'il faut que vous mettiez l'accent. Under attack.
quel relou quoi. On va faire le speed over. Voilà, là j'ai plus d'upgrade à faire dans mon bâtard infest. On va faire le bâtard machin. Ok, du Colossus. On va faire du corrupteur. Qu'est-ce qu'il y a qui s'est fait ? Je peux pas répondre. Quand live ce sera terminé, eh bien on fera un petit une petite Great Spire. Allez là. Plus de putain. Voilà. Ok, allez Great Spire, prépare-toi. Voilà. Voilà. On va voir, j'ai aucune idée de si ça fonctionne ou pas, hein, ce genre de compo là. Ouais, si. Ça va fonctionner là. Et là, le DPS des Hydra, il fait flipper, là, du coup. Normalement, je devrais pouvoir leur buter sur la reprod, je pense. Et en plus, j'ai la Great Spire qui se termine bientôt. Ok. Ah oh merde, j'ai reproduit en full Hydra. Oh le con. Holy shit. Ça c'est le problème de Zerg aussi. Tu te sens chaud quoi et tu te mets à reproduire tu fais des reprods qui ont aucun sens et tout ça. Bon, ça va attaquer ma B5. Et on ne va pas laisser ça arriver. Parce que shit. Voilà, ça rage. Je sais pas, il est méchant parce que j'ai quand même pas fait. J'ai pas rushé Infestor quoi. Enfin, j'ai pas rushé Broodlord, j'ai rushé Muta, Into Rochidra, Corrupteur. Oh, il rage le mec. Le mec, il est pas content. Il dit même BG quoi. Il dit même BG le gars. Je suis un peu déçu. Piu piu laser and shit. Ah BG égale beau gosse, d'accord, ça explique tout. Ça explique tout. Si.
Ouais, BG, ça veut dire bad game. C'est, tu vois, c'est genre après GG, il y a BG, quoi. Ok, donc il est 14h. C'est censé se terminer là. Étant donné que Alpha n'est pas là pour faire l'émission d'après, eh bien, je vous propose à ceux qui ont un compte HOTS de me rejoindre dans le canal Funka maintenant. Et on va faire une petite game de Team Mono Battle, D9. Et voilà, si ça vous intéresse, on fait une game de Team Mono Battle. Ensuite, petite question-réponse, et puis je terminerai le stream vers 14h30. Donc ça nous laisse une demi-heure. Si vous voulez jouer, c'est maintenant. Alors, tuc, 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 tuc. Dans le canal de Nidus. Mais honnêtement, là, ça avait l'air plutôt strong, hein, Rotchidra Corrupteur. Ça fonctionnait bien, je trouve. Rotchidra Corrupteur, à la fin, bah, tranquillement, donc on a déjà Geno, Mectra et AFTKD. Oula, TKD, il a. Tu dirais qu'il a spammé des games là ou quoi? Level 43, le garçon. 43, quoi. Gros joueur de 2v2. Alors, Grid, Matou, Genovectra. Donc, TKD, Grid, Matou, Geno. Il nous en faut encore 3. Missilico, plus 2. Il nous en faut encore 2 joueurs, les gars. Le chan s'appelle Funka. Alors pendant ce temps-là, hop, custom games. J'ai vraiment du mal avec les avec le nouveau. Enfin bref, j'ai du mal avec la nouvelle interface. Je trouve ça chelou. Alors HTS Mono Battle. Et je veux la créer. Je suis sûr que j'ai pas fait le bon truc. Alors, Borzag. Attends, je suis pas dans le bon truc. Donc on a Borzag aussi qui va jouer. Borzag plus In Your Face. Donc Missy, Matou, Grid, Geno, In Your Face, Borzag et TKD, ça fait quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on est gros, c'est bon, on a le nombre. Alors, comment on crée ce truc? J'allais dire une insulte là. Create game, voilà. Je vais vous inviter, les gars. Je vais vous inviter. Il n'y a plus de place de toute façon. Alors, invite. Et TKD. Alors, ah voilà. Voilà, on est au complet. Le temps que ça charge.
Non, je vais pas pouvoir faire sur Wall, désolé. Mais peut-être que la prochaine émission, les Mono Battle, je les ferai sur Wings of Liberty pour qu'il y ait plus de gens différents qui puissent jouer. Donc, je vous rappelle que il nous reste une demi-heure, donc ça va être un team Mono Battle. Quelques questions-réponses s'il y a des trucs qui vous intéressent, s'il y a des choses que vous voulez savoir. Et puis ensuite, je couperai le stream parce que, mine de rien, bah, j'ai pas mangé et je commence à avoir faim. Donc voilà. Hop, alors il nous manque trois personnes. Random pour les hommes, effectivement. Quoi tu manges? C'est bizarre comme phrase ça. Matou, Borzag et Grids. Faut se payer une connect, les gars. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. La fin, c'est dans la tête. Je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tels que Face de Book, par exemple, mais aussi sur Twitter. Et sur Twitter, ça donne ça. Et vous avez aussi la possibilité de regarder les VOD que je mets en ligne sur ma chaîne YouTube. Il y a des soirs Personal. devoir faire vos courses à la dernière minute, Et là, je me tape une pub sur ma propre VOD. C'est incroyable. Pas ce soir. Je peux vous donner ce lien. Hop! Voilà. Noobie Groovy, ne t'énerve pas. C'est fini, il n'y a plus de place dans la game. Donc voilà. Random. Ah, qui c'est qui a pas Grids? C'est Grids qui a refusé. Qu'est-ce qu'il fait, Grids? Ok, Grids, il avait des difficultés à télécharger le truc. Grids, il va déco, je le sens. Ça va être le genre de mec qui va déco. Ouais, je me suis fait troll par YouTube, quoi. Incroyable. Bon, puisque ça n'avance pas, j'en profite pour vous mettre une pub. Non, merde, je l'ai invité au groupe. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai vraiment trop de mal avec l'interface de HOTS, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors, YouTube a débauché Big B. Ouais, c'est le sataniste Big B qui m'a imposé de faire une émission à midi, quoi. Ok. Random pour tout le monde. Grids. Random, go go go, NP NP, go 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 random. Allez, c'est parti, Team Mono Battle. Donc on est en 4v4, on est sur Extinction, une map plutôt fun s'il en est. Et voilà. Ouais, j'ai démarré l'émission à midi pour les gens qui nous rejoignent. Hein, eh bien, je suis un warrior, je fais une émission de midi à 14h. Et je ne savais même pas qu'on pouvait se lever à cette heure-là. Je savais pas. Je savais pas que la Terre tournait à cette heure-là. Eh bien, si. Oh, le pauvre. Qui fait la même map maître de StarCraft 38h30 et il a pas le haut fait. Et là, du coup, eh bien, ça rage. J'imagine. C'est chelou.
Et s'il l'a fait sur Heart of the Swarm, c'est bizarre aussi. Je sais pas si, je sais pas s'il y a ça sur un... Je sais pas s'il y a les trucs sur Heart of the Swarm. Ok, donc je suis Terra, donc je vais prendre Random et j'ai Siege Tank. Cool. Lol. Shit. Un Warp Prism. Pour Borzag, je pense. You mad? Donc là, notre équipe, c'est donc Tank, Warp Prism, Swarmhost, Roach. Et en face, on a Min. Oh la vache, on a Min, Stalker, Stalker. Et et Mothership Core. Donc c'est assez marrant là, le pic qu'on a, c'est vraiment assez marrant quoi. On a donc Roach, Swarmhost, Warp Prism, Tank contre Min, Stalker, Stalker, Mothership Core. Donc on va avoir beaucoup, 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 beaucoup de Stalker, ce qui est pas trop mal puisque concrètement Roach, Swarmhost et Siege Tank c'est pas mal. Bon, le mec qui fait des Warp Prism il est un petit peu vénère parce que... Est-ce qu'on peut monter dans les Warp Prism? Je sais pas si on peut monter dans le sien. Par contre, ouais, Siege Tank, Roach et Swarmhost, ça se défend pas mal contre Stalker. Faut faire attention aux mines. Genre, même si on n'est pas le mec qui fait Prism. Je veux dire. Hop, on a pas de problème. D'overlay. Ça, c'était un éternuement, possible, si vous vous demandiez. Ah. Off là. Donc, ouais, en gros, le mec qui a War Prism, il est déçu, quoi. Parce que. À part lui permettre de faire des rush canons un peu partout, enfin, en vrai, il a aucun moyen de faire du dégât, quoi. Sinon, tu files tes thunes, quoi. Genre, fast expo, gold en bas. Un prisme au moins. Donc voilà, donc moi je vais me contenter de faire des tanks hein, vite. Genre le mec qui choisit prisme volontairement, tu vois, qui est complètement complètement pété du brain. Ça joue défensivement les protos. Alors attends, Miniko, ouais, c'est celui qui fait le Mothership Core, donc c'est compréhensible. D'ailleurs, attends. Holy shit. Bon, ça va. C'est que le Mothership Core, mais... Bon, ça me fait chier parce qu'ils entendent sûrement le stream, j'ai l'impression qu'ils répondent à mes questions. Mais on n'a pas d'anti-air, chers amis. Et quand on n'a pas d'anti-air, c'est un peu la panade, quoi. Oh là, le Rush Talker. Ah bon, on a le droit à la Queen qui attaque quand même en tant que Zerg. Putain, c'est pété quoi. T'as même en team mono battle, c'est pété Zerg. Lol. Les mecs, leur Queen elle attaque quoi. Moi je vais faire des PF partout, tu vois. Build up, ready to go. Ah, je vais aller aider mon poteau. Il
là, ce qui est cool en plus, c'est qu'on a le siège instantané maintenant. Ah, il s'est fait virer sa base par un Mothership Core. La tristesse, quoi. Our allies' base is under attack. Our SCVs are under attack. In the rear, we put SCV ready. Add-on complete. Fueled up, ready to go. What's our target? Upgrade complete. Ça va, tant que c'est plutôt cool, c'est plutôt, ça fait un peu tout quoi. À part le fait que ça tire pas en l'air qui fait un peu chier, sinon globalement je trouve ça plutôt pas mal. Ah le relou. Additional supply depots required. Our allies are being attacked. Ah, le mec qui a les mines, il est déçu aussi parce que il peut pas les dropper quoi. Je pense qu'il aimerait bien les dropper. Our allies' base is under attack. Our allies are being attacked. Ah merde, j'ai pas remis mes workers au gaz, c'est pas con ça, c'est con ça. Plutôt. Ils en sont où les swarmost de mon poteau là? Ouh là là! Shit. Non mais ça va, ça passera pas par contre. Wow, butter my biscuit. Non. Allez, mine, ça déconne zéro. Our allies are being attacked. Ah non, ça c'est relou par contre. Non, non, je refuse ça. On est vraiment tellement en chien d'anti-air quoi. C'est ridicule. Alors les Swarmost, ok, ça progresse. Ok, go. Bon, je vais me faire
une armée de SCV qui va me suivre et qui va poser du la tourelle. Ah putain, ça me déçoit ça par contre. Je crois que notre compo est mieux. Bon après ils auraient pu abuser du fait qu'ils avaient des stalkers et que du coup ils étaient quand même beaucoup plus pratiques. C'était beaucoup plus pratique pour eux de se déplacer quoi. Et Borzag il veut pas nous donner de la thune maintenant hein, du coup maintenant qu'il a 3000 expo là. Ah ouais. Go avec tes roaches. Our allies are being attacked. Insufficient Vespine gas. Insufficient Vespine gas. Bah, de toute façon. Our allies are being attacked. Our allies are being attacked. Our allies' base is under attack. On va faire l'upgrade de range des tourelles. Like a boss. Oh la vache, il a des upgrades, mon gars! Ah ouais! On va faire le con, hein! C'est 6 upgrades, le bordel! Allez! Allez! Allez, je lui kill son Mothership Core! Alors comment ça se passe là-haut? Ouh, ça va blinker! Ah, il est obligé de back! Les tanks sont là, pour couvrir! Non. Et ça va être GG. Non mais notre compo était quand même bien plus puissante que la leur, je trouve. Même si, voilà, je pense que l'avantage qu'ils avaient c'était de pouvoir mettre pression très rapidement avec Stalker. Et que nous on avait pas grand chose pour def du coup. Mais là maintenant ça va être compliqué quoi. Ah merde. Speak
Ah, la fight du bas, elle est épique. Putain, j'ai perdu toute ma pop, quoi. Ramatou, il fait du. Non, non, les probes. Ah la vache, il va me détruire tous mes tanks, hein. GG, yo. Ah non, c'était cool les gars, vous avez fait une belle résistance. C'est qui veut pas perdre ? Ah, c'est Monsieur Vert. Ah bah oui, il peut pas perdre, ouais. Donc là, bah comme on n'a pas d'anti-aérien, et qu'il a levé ses bâtiments, bah, on peut plus gagner. C'est un draw. Bah allez, on quitte mon ami. Allez là, c'est la win. C'est la win. Alors, le coup du stream sur Dailymotion, je pense qu'avec ma connexion pourrie, ça va jamais pouvoir le faire. J'en discuterai avec Bibi de l'aspect technique de ça. Je verrai. Alors, donc on arrive à la fin de cette émission de Funkadelis. J'espère que ça vous a plu. J'en profite pour vous remettre les infos qui sont aussi sur le sublime overlay que mon petit viewer m'a fait très gentiment, très gracieusement. En bas à droite, vous avez les infos sur, et bien sûr, les réseaux sociaux. Si vous voulez me suivre, si vous êtes utilisateur de Twitter, et bien allez sur Twitter. Si vous êtes utilisateur de Facebook, eh bien allez sur Facebook et follow me sur ce qui se passe. Non, il n'y aura pas d'autres games, je terminais à 14h30. Si vous avez quelques questions à poser, faites-le moi savoir là dans le chat. Si vous voulez savoir des trucs par rapport à des compètes, par rapport à O-Gaming, par rapport à StarCraft, par rapport à Art of the Swarm, comme je le disais sur la page Facebook, ben, si vous voulez savoir la couleur de mon caleçon par exemple, c'est des choses que vous pouvez demander, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page YouTube aussi, où je fais des VOD également.
Noobie Groovy, ouais, c'est un vieux t-shirt, mais il date de perpète, celui-là, je l'ai eu quand j'avais peut-être 15 ans, donc ça fait perpète, mais effectivement, je crois que c'était un t-shirt de Goéland, ouais. Est-ce que j'ai aimé Dead Space 3? Moi, j'ai bien kiffé Dead Space 3, et surtout, j'ai bien kiffé le moment où on a dû arrêter, c'est-à-dire au bout de, grosso modo, depuis de grosses heures de jeu, quand on est revenu dans le vaisseau, qu'on a commencé à avoir des situations sympas avec de vrais aliens, etc., etc., quoi. Le début, c'est sympa, à mon avis c'est plus sympa si t'es un gros fan de la série et que t'as envie de savoir ce qui tourne autour de l'univers de Dead Space. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'était moins fun, moins flippant que le premier et le deuxième, c'est toute cette partie-là, alors que ça commençait à devenir bien au bout d'une heure et demie. Pourquoi j'ai coupé les cheveux? Parce qu'à un moment donné, il fallait couper les cheveux. Et je m'arrêterai là. Très mystérieusement, tu vois. Est-ce qu'on a une autre question? Eh bien, non. Ok. Eh bien, dans ce cas, chers amis, je vous dis à bientôt sur OGaming, que ce soit dans n'importe quelle émission où je pourrais apparaître, ou voilà, ou sinon, eh bien, à samedi prochain pour Funkadelis, une fois de plus, de midi à 14h. Et oui, vous n'avez pas... vous n'avez pas... Est-ce que je vais regarder la saison 3 de LOL? Je ne sais pas. Master sur Wings of Liberty, effectivement, ouais. Et je ne sais pas si je regardais la saison 3 de LoL, peut-être pour voir un peu quel engouement il y a et quelle taille ça a comme événement. Si on n'est pas, si on n'est pas au-dessus, tu vois, au niveau Iron Squid, tu vois, si on fait pas mieux que la S3, ce serait stylé. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et bien donc dans Funkadelis, toujours de midi à 14h, pour décuver de votre soirée de la veille. Et probablement sur Heart of the Swarm, je pense qu'on va essayer de rester en fil rouge sur Heart of the Swarm jusqu'à l'arrêt de la bêta. Voilà, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Restez un petit peu dans le secteur si vous avez rien à faire, de toute manière il n'y a pas d'émission qui enchaîne, parce que voilà, on va envoyer quelques petites pubs, donc si vous êtes encore dans le secteur c'est cool, ça aide au gaming à fonctionner. Et voilà, merci d'avoir été là, merci de suivre l'eSport et Starcraft et League of Legends et Dota et tout ce qui va bien, parce que c'est cool et on pourrait pas le faire sans vous. Voilà, ciao, bisous.